sur RTL. Sur RTL, bien sûr, et vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux où il y en a qui sont quand même ce matin tout émoustillés en voyant la Charlotte. Je lis un tweet, un réel en direct qui est arrivé il y a à peine 10 minutes. « Je rêve que Charlotte me fasse une dédicace, je serai aux anges, car une beauté pareille devient rare. » Comme si c'était improbable. Mais non, pas du tout. Mais c'est une beauté pareille devient rare. Vous êtes magnifique, c'est vrai. Mais regardez, Céline est magnifique. Marilyn Olivier, en tout cas, vous avez de plus en plus de fans, Charlotte. Et nul doute que nous n'allons pas faire de vieux jours dans cette émission, Bernard Sabat, car sur vous et sur moi, les tweets sont beaucoup plus rares. Je ne vous le cache pas. Il y en a des tweets sur nous, mais comment on peut encore tolérer ces deux vieux couillons sur l'antenne? Enfin, voilà. Donc c'est moins rigolo. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, j'ai tout essayé, Pascal. Céline n'est pas libre. Je suis désolé. D'accord, bon, dommage. Non, mais dites pas au revoir. JB l'est, par contre. Par contre, vous allez vous taper un mouflet qui a quel âge maintenant, JB? Un an. JB, ah, oui, si vous êtes. La garantie est passée. Ouais, la garantie est passée. Excellent. D'ailleurs, on pourra les joindre si jamais le dossier n'avance pas parce qu'on a des contacts. Eh bien, faisons-le peut-être tout de suite. Action Logement. J'aime ces noms-là. Est-ce que vous pouvez faire ça, Bernard, s'il vous plaît? Allez. Allô? Ah, je ne vous ai pas entendu, Bernard. Le micro n'était pas ouvert. Pardon, allez-y. Action Logement. Ouais, non, pas, je ne vous ai pas demandé de faire Action Logement. Je vous ai demandé de les appeler. Oh, mais franchement. Oh, mon micro était coupé, mon oreillette aussi. Donc je ne savais pas. Je pensais que... Je m'adresse une nouvelle fois à mon président Nicolas de Tavernement. Je crois vraiment là qu'on prouve qu'on a de bons résultats. On a plus de 600 000, on a démarré à 200 000. Alors essayez de me mettre des gens un petit peu compétents, s'il vous plaît, maintenant. Que l'on me respecte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est aujourd'hui Céline qui tente de le faire. Attention, vous allez donner une note sur le hashtag CPVA. Céline, c'est à vous. À 1000 euros. Écoutez, je suis assez surpris par le résultat. Vous appelez immédiatement. Il est mieux celui-là. Il est mieux qu'original. Vous appelez maintenant. Si vous le voulez bien, vous avez. Vous voulez pas que je le fasse, Julien? Non, non. Chaque jour, on porte sa croix. Nous verrons ça non, demain. Pas la croix, alors, oui, non, pas. La Mogen David, si vous préférez. J'y vais! Oui, il se trouve du côté d'Aix-en-Provence. Pas comme ça, JB, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce relâchement? Alors, il est du côté d'Aix-en-Provence. Alors, ça tombe bien, JB, puisque vous êtes de bonne humeur, il est grand temps de faire gagner 1000 euros. Alors, je ne sais pas si on peut réécouter tout à l'heure. C'est le. Alors, on l'a ici, me dit-on, nous lançons, vous savez, souvent sur les réseaux sociaux, il y a des challenges. Et là, c'est le 1000 euros challenge auquel vous pouvez participer chez vous. Prenez une caméra, enfin votre iPhone, hashtag 1000 euros challenge et vous faites. Ah, 1000 euros! Voilà. Donc, voici l'original. Sur le hashtag 1000 euros challenge, nous avons eu tout à l'heure Céline qui a tenté sa chance. Regardez. À 1000 euros. Écoutez, voilà. Je sens qu'on tient au truc avec ce 1000 euros challenge. Attention, faites tourner maintenant les magnétos. JB se lance dans le hashtag 1000 euros challenge. À 1000 euros. C'est pas mal. Je ne suis pas du genre à me vanter. Mais je pense que j'ai eu là l'idée du siècle. Oui. Nous allons maintenant lancer le chrono. Il est 11h14. Je suis tellement heureux d'avoir lancé ça que je vais vous donner une minute de plus. Ça nous amène jusqu'à 11h20. Et ne vous inquiétez pas, on ne laisse jamais tomber les affaires. Merci à toutes les équipes. À demain, pardon, demain, 11h35, émission inédite. Across the sea.